Hello tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue à le vlog jour numéro 5. Et je viens de faire mon café glacé. J'ai arrangé les raisins ce matin. J'ai tout coupé le catalan. Puis Laurie est en train de manger une petite collation. J'ai donné des biscuits bretons. Ce matin, elle voulait des céréales avec des fruits. Fait que j'ai donné ça pour déjeuner. Et moi, je mangeais une toast avec des fruits puis du fromage. Puis ça a été pas mal ça. Et après ça, je suis partie me brasser qu'il faudrait que j'aille faire sécher. Après ça, la vaisselle est faite hier. J'ai fait pas mal le menu de la semaine, comme je l'ai écrit tout ça, pour le mettre sur mes plateformes. On a joué. Puis je m'apprêtais à tout séparer, les poitrines de poulet puis les côtelettes de porc. Puis le bœuf haché, j'ai pas besoin de les séparer. J'ai déjà un petit paquet de livres que j'ai acheté. Puis, j'ai sorti un petit pot de sauce à spaghetti ici, que je vais mettre dans le frigo pour qu'il dégèle. Puis, c'est ça. Ce soir, je vais faire des mini lasagnes pour souper. J'ai un goût de faire en mini lasagne. Fait que c'est ça. Je vais faire des mini lasagnes. Tantôt, il y a ma laitue iceberg que j'aimerais couper. Les chou-fleurs que je vais arranger. En tout cas, une coupe de trucs, là. Mais ça, l'arrangeage des fruits et légumes, le restant, je pense, ça va être pas mal plus pendant sa sieste. Fait que je vous dirais qu'en gros, c'est pas ma soeur. Puis là, ben là, je vais aller m'habiller. Je n'étais pas encore habillée. Aurélie, elle est habillée. Puis je vais aller chercher des bas dans la sécheuse. Fait qu'en gros, à date, c'est pas mal ça le planning. Voir du ménage à faire aussi aujourd'hui. Bref, tout ça. Qu'on a apporté de la récup. Bref. Puis un petit peu plus tard, on risque d'aller jouer dehors. Puis c'est des tubes pour faire des brochettes. Ça va être déjà tout coupé. Ça, c'est des lanières, tout simplement, que j'ai pas encore assaisonné, qu'on me fait donner au choix rendu là. Le teriyaki de cette semaine. Attends un petit peu, bébé. Attends, on va faire d'autres choses après, OK? Attends un petit peu. Puis ça va être pour faire le poulet teriyaki. J'ai déjà fait le marinade. Ça va mariner congelé. Ça va être là. Regardez ce que je viens de sortir du four. J'ai fait des. Avec Aurélie ce matin, j'ai pris le mélange crêpe et gaufre de Épicure. Le mélange crêpe et gaufre. J'ai fait la recette. J'ai mis des fraises congelées dedans. J'ai mis un œuf, du lait, puis de la vanille, puis notre petit fruit d'étouille. On a tout mélangé ça. On a coulé ça là-dedans. Ça vient de sortir du four. Puis après ça, je vais pouvoir les démouler. Que ça va être vraiment pratique cette semaine pour les déjeuners. Puis tout. Là, tu t'appelles-tu si vous connectez? Spot de flotte.
Oh mon doux, bonjour tout le monde. Je sais pas combien de temps ce clip-là va durer. Au pire, je recommencerai à vous parler après. J'ai vraiment plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Je l'ai pas fait charger aujourd'hui. Fait que, voilà. Excusez. Le souper, c'était super bon. La lasagne, après ça, et on était joué un petit peu dehors. J'étais joué un petit peu dehors avec Aurélie. J'étais dans son bain, on l'a couché. Puis, après ça. Je dirais que c'est pas mal ça qui s'est passé. Puis pendant qu'elle faisait sa sieste tantôt, j'ai mis nos petits trucs, tout ce qu'on a fait ce matin dans le frigidaire. Dans un plat. J'ai tout coupé la salade iceberg, j'ai mis dans un mes plats fraîcheur et piqueur. Puis j'ai fait la même chose avec le chou-fleur. C'est pas mal tout comme il est arrangé pour la semaine. J'ai juste comme depuis ma maison. Puis... C'est quelques petites affaires, mais la majorité pour vrai, c'est faite pour la semaine. Puis c'est pour souper la lasagne, c'était vraiment bon. Là, j'étais dans la douche, pour ça que j'ai encore les cheveux humides. Puis, je vous dirais qu'en gros, ça a pas mal été honnête vendredi. C'était bien relax. Puis tu sais, je pense que c'était bien correct aussi. Cet après-midi, on a joué dans le sol, Aurélie puis moi. On a fait des shorts de make-up blocs, on a fait du dessin, on a fait un paquet de petites choses, vraiment fun. Puis, il a fallu que je m'attaque à du pliage de la neige. Rendu à l'heure qu'il est là, je suis genre dead. Il est rend, ben pas dead, là, mais vraiment fatigué. Retour sur la fausse conclusion que j'ai fait hier. Ça peut être une conclusion digne de ce nom, mettons. Parce que c'est ça, mon téléphone a manqué de batterie. Fait que ça tenait resté que ça a donné. Je sais comme dit, parce que je peux pas leur faire une conclusion juste comme ça, genre. Puis un moment donné, ce qui était malaisant, c'est que je continuais à parler, mais genre, ça filmait juste plus. Là. Mon téléphone était. Il n'y a plus de zombie d'image, plus rien, là, tu sais. Fait que ça, je vous expliquais que hier, c'est un exploit que j'étais genre dans mon lit à 10h30 parce que j'étais sérieusement knockée ben raide. Ça arrive. Des journées de même. Puis, excusez. Je vous parlais un petit peu du planning. Je voulais vous parler aussi du planning comme du lendemain, dans le fond. Possiblement qu'on va descendre à 3 heures aujourd'hui. Ben, demain, en fait. Ben, slash aujourd'hui, en tout cas. Je voulais vous parler. Ah, que j'ai de rosage, puis tout ça. Que genre, c'était. J'avais l'intention vraiment de faire mes jambes, puis comme. J'étais comme, oh, finalement, non. Fait que j'étais dans la douche, j'étais dans la douche quand même, mais je m'étais juste comme pas fait les jambes. Mais là, je vais les raser. Puis, je voulais commencer à regarder aussi là, pour des sandales pour Aurélie, pour l'été. Parce que là, elle a des souliers d'eau, mais elle n'a pas de sandales, à proprement dit. Puis moi, je veux vraiment y acheter des sandales. Ou ce que c'est fermé en arrière. C'est mettons avec un velcro. Là. Parce que je veux quand même que ça se tienne bien sur pied. Surtout quand elle joue dehors et tout ça. Pour éviter qu'elle se fasse mal à une cheville ou peu importe. Je sais que, vous en rappelez, moi j'avais mis dans les pieds et je m'étais fait mal pareil. Mais voilà. Parce que pour ceux qui avaient manqué cet épisode-là, c'est début mai. Mais ou avril, je suis plus sûre. Avril, je pense, quand on a pu commencer un petit peu à l'étendre sa corde, en descendant au sous-sol pour aller chercher la dernière partie de ma brassée qui restait, ben, elle voulait mettre mon pied droit sur la dernière marche, ben, il a reviré. J'étais sûre que je m'étais fait un entorse, quelque chose comme ça, parce que de ce bout-là de l'après-midi jusqu'à la fin, jusqu'au lendemain matin, quasiment, je n'étais pas capable de marcher sur mon pied. 0, 0, 0, 0. Ça faisait trop mal. Fait que, bref, en tout cas. C'est la péripétie qui est arrivée pour ceux qui n'étaient pas là dans ce temps-là. Donc, voilà. C'est ça qui va conclure le jour numéro 5 pour vrai Pilates. On se revoit demain.